C'est dérisoire. Moi, j'ai un ami à Nashville qui s'appelle Bruce Gage qui a coécrit la Isla Bonita pour Madonna. C'est-à-dire, c'est juste un petit tube. Il a envoyé un mail l'autre jour pour dire que sur je sais pas combien de millions de vues, enfin de passages sur Deezer ou sur Spotify, il avait gagné $140. C'est incroyable. C'est un truc, c'est une honte.